bien-aimé, j'ai un message très très puissant pour toi. J'ai un message d'espoir pour toi. J'ai un message de vie. J'ai un message de sanctification. J'ai un message de délivrance, de guérison et de miracles. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu des dieux, lion rugissant de la tribu de Judas. Il vient aujourd'hui dans ta maison. Il vient aujourd'hui dans ta voiture. Il vient aujourd'hui sur le lit de ton hôpital. Il vient aujourd'hui dans tes finances. Il règne maintenant dans ta vie. Il résout tous tes problèmes. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, c'est l'occasion de faire cette paix avec lui, car il est le chemin, la vérité et la vie. Ta vie changera. Tu seras restauré, tu seras béni, tu seras équilibré, tu seras stabilisé, tu seras positionné, tu seras marqué du sceau de l'Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, et tu vas régner sur les démons au nom de Jésus. Tu vas régner sur la sorcellerie au nom de Jésus. Tu vas régner sur la franc-maçonnerie au nom de Jésus, car il est placé au-dessus de toute domination. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs, roi des rois. Il te touche là où tu es, il te guérit là où tu es, il te restaure là où tu es, il te donne un enfant là où tu es, il te donne un mariage là où tu es, il équilibre tes finances là où tu es, il met la prospérité dans ton entreprise là où tu es, quel que soit le pays où tu es, là où tu habites, il affecte maintenant ton environnement et ta vie change, ton atmosphère change. On ne te reconnaîtra plus, car l'onction de Jésus viendra sur toi. Il viendra t'illuminer, il viendra changer ta compréhension, ton entendement. L'Esprit de Dieu arrive vers toi, car il est le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Aucune force ténébreuse ne peut régner avec Jésus, car il déplace les montagnes et brise le joug de l'ennemi sur ta vie. Il tient la clé de la maison de David sur son épaule. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Et quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Il marche dans ta vie. Aujourd'hui, il arrive. Aujourd'hui, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit et tu verras que ta vie va changer. L'humanité a besoin de Jésus.